Richardson, nettoie-moi ça, je t'en prie. Bah, juste avant, monsieur Bridges, j'avais un mot à vous dire. Vas-y, ça vous ennuie pas trop. Richardson. Monsieur Bridges, est-ce que je pourrais vous parler? Je n'ai toujours pas de réponse et d'ailleurs, j'ai pas le temps. Tu dois avoir un secret. Parce que comment t'as la force de cuisiner le soir après toute ta journée? Oui, madame, c'est exact. J'ai envie d'aller vivre et travailler en Californie. D'être tout simplement une femme en Californie. Je sais que tu n'aimes pas les gars qui ne sont pas d'ici, seulement, crois-moi, je ne comptais pas kidnapper ton ami. Ce n'est pas mon genre. C'est vrai, je vous le jure. Ce type de maison est pour les Américains l'équivalent des anciennes écoles en bois de leur jeunesse. Royce, j'irai pas à Waco vendre ces fichues maisons pour toi. Kyle, voudrais-tu me faire plaisir? Quand tu rentreras chez toi ce soir, regarde-toi deux secondes dans une glace, tu veux? Je l'ai fait aussi il y a plusieurs années, hein, chérie? Je traîne alors dans les bars, gaspiller mon fric dans ces fichues Jack Moss et je joue au cow-boy, pas vrai, bébé? Kyle est ton frère. Est-ce que tu n'es pas censé l'aimer? Laisse-moi te dire une chose, ma jolie. Kyle n'est plus un mioche. Mais il est en âge de s'occuper de lui tout seul. Kyle! Non, 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 c'est pas ce que tu crois, Kyle. C'est comme ça que je t'ai élevée. Non, maman. Est-ce comme ça que je t'ai appris à vivre? Non, maman. I thought I knew how. Bien, nous deux. I never knew that. Sorry. Before now.